Salut à tous et bienvenue sur la sixième et dernière étape du Trail du Népal. Bon alors je vais, pour cette intro, je vais tourner autour de ce petit monument, je ne sais plus à quoi ça sert. Il n'y a pas que les mollets qui ont un petit peu souffert. Voilà, il aurait fallu que j'écoute un petit peu plus ces explications. Donc aujourd'hui pour cette dernière étape, on est parti pour nous sommes partis pour quasiment 16 km et 835 à peu près, hein, quelques marches près de D+. Ça commence un peu à tirer dans les jambes, mais d'un autre côté, je commence un peu à m'acclimater. La nourriture, c'est pas toujours ça, hein, le transit, c'est pas forcément évident. Mais voilà, on fait avec. On est dans un endroit tellement fabuleux que les petits tracas quotidiens, c'est pas très grave. Je vais avoir le tournis à force de faire le tour. Allez, c'est parti. Les dernières recommandations. Vous sortez de l'hôtel et vous prenez à gauche. À gauche. Vous avez 5 km 300 de route. Vous sortez pas de la route tant que vous voyez pas ou moi ou le 4x4. 3, 2, 1, et c'est parti. Et c'est parti. Pas doucement, mec. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I'm like grabbing bad, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You say something that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Marès qui est en terrain connu. Ouais, c'est ça. Parce que hier, Marès, parce qu'il n'avait pas fait assez en fait. Il a continué tout droit, il a fait l'étape de demain, enfin l'étape d'aujourd'hui en plus de celle d'hier. Trop fort. Donc maintenant il est en pleine forme. Ça pique un peu quand même. Ah. L'observatoire est juste là, je me suis dit tiens, on est déjà arrivé à l'arrivée. Pour faire le même coup qu'hier. Allez, un petit check. Merci. Wouh! Attention aux aiguilles, ça pique. Ah, enfin. Ah, génial. Wouhou! We'll be right back.
Namasté. Namasté. Et puis moi, qui va? Pardon. Embouteillage. Thank you. Namasté. Le boulot de dingue. Et nous, on se perd avec notre petit camelback. Pardon, instant photo. Bah ouais. Un terrain de foot. Mieux de nulle part, évidemment, hein, comme la dernière fois. Hop là. Ah, elle connaît tous les chemins, elles ont pris un raccourci de coquine. J'ai entreaperçu le deuxième, Yannick. Mais il est tout là-haut. Oh, ça va être dur. Je serais content que je serais là-haut. Ah, voilà. Ah. Putain, c'est plus joli en haut qu'en bas. On est content d'être là-haut, hein. Donc c'était bien de descendre. 320. Mais là, ça va monter. A priori, on est qu'à 320 de dénivelé sur les 600, 860. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 500 et des brouettes. Donc, il nous reste 7 km. Looking for myself, I'm staring at the shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can leave me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Là, ça va être une grosse souffrance. Bon, alors, je vais pas trop bouger pour ce débrief, hein. Je vais me mettre en position plutôt normale, voilà. Voilà, trail du 6e étape et donc trail du Népal terminé. Avec une vue ici, un peu comme ce qu'on a vu partout, hein, une vue magnifique sur toute la chaîne himalayenne. Bon, cette étape en trois parties. La première partie, on n'en parle même pas, le bitume, un peu... voilà, inintéressant. Deuxième partie, génial, une descente qui n'en finissait plus, sur des marches, c'était génial. Après un petit passage dans le village un peu, c'était assez plat, ça allait, il y a une petite côte, mais bon,
ça allait encore. Et puis le tout dernier, alors là, moi j'aime pas ça, de toute façon ça m'a rappelé des mauvais souvenirs où j'ai calé. Bon là, j'ai eu aucune fringale, j'ai eu aucune perte d'énergie, j'en avais juste marre. Voilà. Mais bon, au final, c'est pour arriver ici, sur cet observatoire. Donc finalement, ça vaut le coup. Voilà, bon. Eh ben, à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Et après, on va être bien prêt en voiture.